Togo Info, le Togo à votre portée. Le paradoxe, c'est quoi? Aujourd'hui, nous assistons à une série de suicides depuis quelques mois au Togo. Et au même moment, on nous dit, on nous publie une enquête qui dit que le taux de pauvreté a reculé au Togo. Le taux de pauvreté s'arrive avec le bonheur. Pendant que, en fin 2019, déjà, on a parlé, le Togo a été classé l'un des pays les plus malheureux sur la planète Terre. Je ne sais pas si c'est le pays le plus malheureux sur la planète Terre. En termes de respect des droits de l'homme. Parce que les deux vont ensemble, frère. Les deux vont ensemble. Quand on dit que vous êtes malheureux, ça dit les gens n'ont pas le bonheur. L'indice de développement humain, on est bas, là-bas. Respect des droits de l'homme, vous êtes de mauvais élèves. Mais ça, c'est miraculeux qu'on dise aujourd'hui que le taux de pauvreté a reculé. Vous voyez, vous prenez par exemple, en Chine, ce qu'on peut reprocher, très souvent les gens togolais aiment comparer le Togo au cas où tu vois les pires des choses. On ne comprend pas souvent la Chine. La Chine n'est pas au bon niveau en matière de droits de l'homme. Quoique la Chine fait même des améliorations, même si la Chine n'est pas un bon pays en matière de droits de l'homme, même si l'Arabie Saoudite n'est pas un bon pays en matière de droits de l'homme, mais au moins en matière de développement humain, ils sont bien classés. Donc, quand nous avons tous nous sommes des mauvais élèves sur tout le tableau, on nous dit que la communauté a reculé au Togo, mais ça fait marrer, c'est des chiffres qui font marrer. Alors, si dans ce contexte-là, au même moment, les gens se suicident pourquoi? Les gens se suicident parce qu'en face au désespoir, quand l'horizon ne dégage rien, il y en a même qui ont écrit des lettres qui disent qu'ils doivent à peine quelques billets de CFA acceptés, ils sont dépassés par des problèmes, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de secours d'État dans ce pays. Quand la gouvernance n'est pas bonne, ne soyez pas étonné qu'il y ait de ces gens de sinistres. Mais ce n'est que nous n'avons que à regretter. Parce que nous autres, on ne peut pas aller prêter main forte, on ne peut pas aller au secours de ces gens, surtout nous pouvons casser les dénoncer, on corrige un peu. Cette série de suicides intervient juste au lendemain du mandat social. Parce que les 5 ans qui sont passés, le chef de l'État a décrété le mandat social. Ça n'a pas suffi, on dit que ce nouveau mandat va se voir après le mandat social et le développement. Nous, on n'entend pas grand-chose, mais bon, peut-être qu'ils vont sortir de l'État pour manger quelque chose, une formule magique pour. Arrêtez que les Togolais voient chaque fois le désespoir, que les Togolais soient obligés de choisir la voie du trépas plutôt que de développer la résilience. Parce que la résilience s'adosse sur des éléments de garantie que tu as dans ton environnement, que tu as de la part de celui-là qui est l'État protecteur. Vous voyez. Et quand tu n'as pas ça, je sais que même ta famille, quelle que soit leur bonne volonté, tes amis, quelle que soit leur bonne volonté, ils sont dans la même dèche que toi. Vous êtes tous au fond du coup, mais qu'est-ce que tu vas faire? Malheureusement, c'est des choix qu'il ne faut pas encourager, mais bon, on comprend. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de dire, quand vous faites semblant de ne pas regarder, voilà ce que propose votre mauvaise politique, votre mauvaise gouvernance, votre refus de faire l'alternance. Votre refus de partager plus ou moins de façon acceptable les richesses publiques. Voilà.